glacier et là on fait une rando, une des plus connues, qui nous amène au mont Fitzroy. Empanadas, c'est une spécialité de l'Argentine. C'est des chaussons fourrés à ce que tu veux. C'est pas très bon. En roule et que j'ai remarqué que le pare-choc arrière commençait à bouger un peu sur les côtés. En fait, ce pare-choc noir là, c'est pas le pare-choc d'origine de la voiture, c'est nous qui l'avons ajouté pour pouvoir emporter en fait une roue de secours qu'on voit derrière et sur le côté un jerrycan, donc de l'essence en plus, puisque en France sur les sur ce modèle-là de 4x4, il n'y a pas de roue de secours intégrée. Et en fait, le problème, c'est que ce pare-choc-là n'existe pas pour le modèle court. Il existait que pour le modèle long. Donc, on a dû le modifier nous-mêmes pour pouvoir l'installer sur la voiture. Et en fait, on avait misé juste en faisant deux inserts, un de chaque côté du châssis et en mettant une vis pour renforcer en fait les ailes. Ici, il y a quatre grosses vis qui sont fixées sur le châssis, donc ça c'est vraiment très solide. On avait juste rigidifié avec deux grosses vis sur les côtés, mais au final ça tremble, ça bouge quand je le ferme, donc faut qu'on rigidifie tout ça. Donc là, on m'a conseillé d'aller voir le soudeur de El Calafate. Apparemment, c'est un des meilleurs soudeurs dans la région, donc je pense qu'il. Le mieux, ce serait pour nous de carrément souder une pièce au pare-choc et qu'on puisse visser directement dans les trous du châssis prévu pour ça, quoi. Comment ? Ça y est, on a réparé le pare-choc arrière. Pablo, il nous a refixé tout ça, il a tout soudé. Là, ça ne bouge plus du tout. C'est nickel. Perto, on a mis le réveil pour la première fois à 7h15. C'est pour la bonne cause. On part faire un trekking sur le Perito Moreno avec Karim et Martin. Pour faire le trek, on prend d'abord un bateau qui nous amène à une certaine partie du glacier. Ensuite, on a une petite rando d'une heure à travers la forêt. Et ensuite, on enfile les crampons qu'on vient de récupérer. Et c'est parti sur la glace.
à Ushuaia. Donc là, d'ici une heure, on va passer la frontière avec le Chili. Et le vent souffle à fond. Il souffle tellement fort que la voiture consomme deux fois plus que d'habitude. Là, on fait du 25 litres au 100. Apparemment, c'est sur le troisième. Mais ça y est, ça avance.